en l'an de grâce 2013, des hommes et des femmes au Témiscouata ont murmuré à l'oreille du monde que c'est une langue belle, la langue de chez nous. C'était un boiteux du village. Il avait toujours été ridiculisé les 14 ans qu'il avait passé au village. Quand il est revenu de son voyage, les gens l'ont comme reconnu pour ce qu'il était vraiment. Puis il avait un nom, c'était quoi son nom, Jeannot? Oui. Fait que ça finit bien. Et c'est Jeannot, s'exclama Juliette. Les gens qui l'ont écrit, la complainte, ils s'intéressent vraiment à comment les travaux avancent. Là. Souvent, on en voit un par jour, certains. C'est une personne de la place, dans le fond, que son grand-père, ça avait été un des fondateurs du village. C'est le fun, le monde s'approprie vraiment la... se l'approprie. Fait qu'ils ont réutilisé des noms bien connus. Là. Ils vont monter une pièce de théâtre avec ça, là. Cet été, une vingtaine de créations littéraires orneront les murs publics du Témiscouata. Circule, va voir un peu, c'est partout au Témiscouata.